Et beauté labino les gens, c'est Mouibi et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la carrière avec Bournemouth. Oh attendez, non, pas abuser. Tactique principale à l'entraînement, c'est le 4-2-3. Mais le 4-4-2 qu'on met contre Tottenham, c'est la première fois de ma vie que j'ai ça. J'ai les 11 joueurs qui sont en bas, niveau forme et tout. Donc voilà, on va avoir du mal à finir le match. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a joué contre Tottenham il y a une semaine. On sait qu'ils ont joué en même temps que nous, en milieu de semaine. Donc ils sont fatigués aussi. Espérons que ça passe. Espérons sincèrement que ça passe. C'est compliqué. N'est pas impossible. Alors le vainqueur de ce match qui repassera provisoirement en 3e, en 5e place. Tsimikas. Oh, penalty. Je crois que c'est dehors, mais je ne suis pas certain. Alors, on va voir ce que ça donne. Pas de penalty. C'est dehors du coup, c'est bien ça. C'est dommage, ça aurait été une belle opportunité. Montiel. Montiel. Oh, Pinamonti! Bien joué, 1-0, ouverture du score. Il est passé où? C'est passé vraiment dans un trou de souris, hein. Ouais. Oh, heureusement que Montiel était collé à la ligne de but parce que Pinamonti était derrière tous les défenseurs. Nerma, Espizoa. Tsimikas, elle est pas mal. Allez, il a Kampa. Oh, le poteau! Ça aurait été incroyable de mener 2-0 là-dessus. Tottenham qui n'existe pas vraiment pour l'instant, mais bon, ça fait que 22 minutes. Un quart du match qui est passé, donc faut pas trop crier victoire trop vite. Oh, la passe. Dommage que Pinamonti l'ait pas bien contrôlé parce que la passe a été incroyable. On dirait la passe de Pavard qu'il avait fait quand il était à toute carte, là, depuis sa défense jusqu'à la surface adverse. C'est Seignon, la talonnade, ça sent la frappe enroulée, non. Ça sentait la frappe, et Van de Voort l'a senti. C'est dégagé, Pinamonti, allez. Pinamonti, quelqu'un qui vient l'aider. Non mais c'est bon, toi aussi cherche quelqu'un qui vient t'aider. Pas grave. Allez, toujours 1-0. On garde cet avantage au score. C'est une bonne opération. C'est une bonne opération. Ah, on a un blessé. On a Montiel qui est blessé. C'est Stacy qui va jouer. Stacy qui est plutôt frais. Donc, ça va. Heureusement qu'on a un autre latéral dans le. Oh, pas mal cette relance. Stacy qui va s'illustrer directement, peut-être. Pinamonti. Pinamonti, bien. C'est bien. Il ressort proprement. Tsimikas. Penalty. Là par contre il y a penalty. Là il y a penalty, hein. Tu me l'enlèves pas deux fois. Hein. Là il y a penalty. Là il y a penalty, 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 il y a pas penalty. Là il y a penalty, 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 il y a penalty. Penalty accordé, bien sûr. C'est Pinamonti qui le frappe. Allez. Yes. 2-0, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. 59 points. 59 points. Ça montre qu'au moins le match qu'on a un peu balancé contre Leicester, ça en valait la peine. Parce que c'était plus important de battre Tottenham que de battre Leicester. Parce que Leicester était justement derrière nous de plus de 3 points. Et c'est juste comme ils ont un match d'avance, ils sont devant nous. Ça veut pas dire qu'on est devant eux, hein, parce qu'on peut perdre tous nos matchs. Hein. En particulier le match de retard qu'on a. Mais d'ailleurs, ce match n'est pas encore gagné. Hein. Voilà. Voilà, je l'ai dit parce que je sentais qu'il allait avoir un but. Harry Kane, je crois, c'est un des tout premiers buts qu'il met contre nous. Souvent, il a été très mauvais contre nous. Mais voilà, le match n'est pas terminé. Il a mis son bon petit tapin, là, il doit être bien content. Je sais pas qui a fait la passe D, mais devant le but, là. Sabi compte à tout donner. Bon, on va faire rentrer Loran. Spizzo est fatigué aussi. Normalement, on a Alfredo. On n'a pas Alfredo.
Par contre, on a Lloyd Kenny et on a Gavrilov sur le banc. C'est ouf, c'est vraiment la polyvalence des joueurs qu'on a dans cet effectif. Il y en a tellement qui peuvent jouer à au moins deux postes. Pulisic, allez, tacle le Cook. Allez, quelqu'un qui le tacle, s'il vous plaît. Aïe, aïe, ça sent le 2 partout. Non. Bazour. C'est Sessegnon. C'est qui? À gauche, là? C'est Kane qui a décroché, en tout cas, Bazour à nouveau. Allez, bien joué, Cook. Allez, avance un peu, avance un peu. Ah, c'est donné trop tôt. Heureusement que la défense ne suit pas. Pinamonti, il croise! Pinamonti, oui, monsieur! Oui! Oui! 3-1. Triplé. Triplé du sensationnel italien, Pinamonti. Lui, il aime bien cette formation, hein. Lewis Cook ou Tsimikas? On va laisser Cook et on va laisser Tsimikas. On n'a pas de remplaçant pour Tsimikas. On va mettre Tarcisio. Ah, j'ai déjà fait trois changements. Ah oui, il y a eu la blessure de Montiel, c'est vrai. Aïe, 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 on va avoir plein de joueurs fatigués. Plein de joueurs fatigués. Stacy avec Loran qui est parti sur le coin avec Pinamonti. Tu vas la lâcher, mon frère, ou tu vas centrer? Oh, le centre est bon. Oh, c'est intercepté par Golini. Golini. Long dégagement sur Dele Alli. C'est intercepté par Gavrilov qui change d'aile complètement avec Loran. Stacy qui envoie Pinamonti. Le quadruplé peut-être. Oh, le quadruplé. Je ne sais pas si c'est un dribble ou si c'est le défenseur qui a taclé. Si c'est un dribble, c'est magnifique. Mais je crois que c'est le défenseur qui a taclé. On va voir. Hop. Là, c'est le défenseur qui tacle. Et bah, il a allé mettre un petit quadruplé, hein. Ah, qu'est-ce qu'il aime bien cette formation, Pinamonti. Qu'est-ce qu'il l'aime bien. Qu'est-ce que Tottenham ne l'aime pas. 4 à 1, c'est inespéré comme résultat. Stacy, c'est bien avec Loran. Loran qui change d'aile pour Tsimikas le centre pour Lerma. Dommage, le contrôle de Lerma qui est défensif. Mais par contre, oh, dommage. Le centre de Lerma qui était très très bon. J'ai pas vu qui a frappé, mais le centre de Lerma était très très bon. Ah, 87e minute, est-ce que Tottenham va un peu sauver l'honneur? Non, c'est Pinamonti encore qui a la balle. L'éternel Pinamonti. Oh là là, c'est scandaleux. C'est scandaleux d'être aussi fort. Pinamonti récupère la balle, nous aborde sa surface, il y va tout seul. Regardez où est-ce qu'il la prend. Du coup, c'est une passe de mes femmes là, tu vois. Il se fait pas rattraper. Et il a vraiment fait des progrès de ouf en finition. Des progrès de ouf. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que c'est bon quand l'équipe tourne bien comme ça. C'est une victoire 5-1 contre Tottenham. Aïe, 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 espérons qu'on puisse dire la même chose contre Everton. Espérons qu'on puisse dire la même chose contre Everton. Qu'est-ce qui s'est bien entré? Villa Campa. Villa Campa, viens mon frère. Je te fais un câlin. Alors. Une place qualificative de Europa Conference League attribuée au championnat. C'est normal parce que United s'est qualifié. Pour la Ligue des Champions, Montiel qui est blessé jusqu'à la fin de la saison. Aïe, 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 aïe. Fracture de la clavicule. Il y a moyen que ce soit ses derniers matchs en plus à Montiel parce qu'on avait dit qu'on le vendrait peut-être. Au vu de son potentiel qui est devenu maintenant limité. Au City qui s'est fait fesser par Chelsea. Montiel, il a fait combien de matchs? Ça fait 3 ans qu'il. Non, c'est seulement sa deuxième saison. Je pensais que c'était sa troisième. Qui a été meilleur cette saison quand même. Un but, 7 passes D. Franchement, bon joueur. C'est vrai qu'il sera absent pour Pinamonti atomise le record de buts inscrits en championnat. 5 matchs. Avant c'était James Hayter, donc un joueur avant que nous on prenne en charge l'équipe, avec 4 réalisations. C'est un record carrément de. Ouais, non, championnat pour Bournemouth. Et là c'est toute compétition confondue, c'était 4 buts avec Joshua King qui a mis un quadruplé une fois. Ok. On a ce fameux match contre Everton qui arrive. Everton qui est aussi bien classé, 8e. Hein. 8e, 8e. Donc franchement, vous vous rendez compte que sur les X dernières journées, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6 dernières journées de championnat, en fait, on affronte tout le monde entre la 4e et à peu près la 9e place, parce que Leeds était 8e à un moment, maintenant ils sont plus 8e. Mais... Donc, on affronte 6 équipes de première moitié de tableau. Voilà. Donc, on va jouer contre Everton. Everton qui est en forme ou pas? Ça donne quoi là? En forme, petite forme, mais ils ont gagné leur dernier match contre West Ham. Donc un peu en forme quand même. On joue chez nous. Everton qui est d'ailleurs, attendez, mais on n'enchaîne pas tout le temps Tottenham et Everton. Tottenham et Everton, à chaque fois, j'ai l'impression qu'on les joue à la suite. Regardez, là, on les a joués à la suite. Là, on les a pas joués à la suite cette année-là, mais je crois qu'à un moment dans la saison, on les a joués à la suite. C'était peut-être l'autre saison. C'était la deuxième saison, ok. Ou pas, hein. Ah si, ok, c'est la troisième fois qu'on les joue à la suite en fait. Parce que là, on les a pas joués à la suite vu qu'on était en deuxième division. Ok, c'est la troisième fois qu'on les joue à la suite. En général, ça a plutôt bien marché. Donc voilà, on espère que ça va marcher encore une autre fois. Ça va être très difficile, très 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 dur, mais pas impossible. Et on est parti. On est parti. J'ai laissé la leur tactique parce que bah on a des bons précédents contre Everton avec cette tactique. Probablement il y a des équipes contre lesquelles ça marche mieux que d'autres parce que en fait, je sais pas si vous êtes au courant, mais dans les fichiers Football Manager. Quand tu vas dans les détails de chaque équipe, on a failli marquer dès la première occasion. Quand tu vas dans les détails de chaque équipe, tu vois des attributs qui sont ancrés dans l'histoire du club en fait. Après, ça évolue avec le temps. Hein. Mais par exemple, une équipe comme l'Atlético, c'est une équipe qui est vachement plus portée sur la défense, tout ça. Du coup, bah, certaines formations vont marcher mieux que d'autres. Au Villa Campa. Au Villa Campa, ouvre ton pied. Oh, magnifique. Il n'a pas du tout ouvert son pied, mais il a ouvert le score surtout. Il a ouvert le score Villa Campa. Magnifique. C'est superbe. Et du coup, là, ah ok. Du coup, comme ça, Leicester n'a plus de match d'avance avec ce match qu'on joue là. Au Villa Campa, lâche la balle. Incroyable. Incroyable ce Villa Campa. Incroyable ce Villa Campa. Je crois, je sais pas ce que je vous ai dit, mais il est incroyable ce Villa Campa. 2-0 après 17 minutes. C'est vraiment pas fini. Hein. On a déjà eu. On peut jamais être trop confiant avec ce jeu. Franchement, il suffit de un temps fort ou deux là pour remettre complètement dedans une équipe. Alan avec Doucouré, Pépé, Nicolas Pépé, Bernard, ça essaye de ressortir proprement. Ça ressort proprement malgré un long ballon. C'est enfin le ballon est réussi et tout. La remise était propre. Loran, le centre. Ça va finir en but. Ok. Alors lui, c'est un fou furieux. Et lui, au lieu de centrer. Il préfère bah, y aller tout seul quoi. Il frappe, c'est arrêté. Il y a de la chance, ça lui revient dessus. Regardez, hop, il est revenu, il a frappé, ça lui est revenu dessus. Mais ça a marché. Et on gagne 3-0. On gagne 3-0 tout simplement. Donc c'est bien Nicolas Pépé ou pas? C'est Nicolas Pépé, combien il aura coûté? Il est valu à 33 millions, ils l'ont acheté 14,75 vraiment. Je ne comprendrai jamais de toute ma vie pourquoi Arsenal l'a acheté 80 millions. Parce qu'il avait fait une bonne saison. Hein. Clairement, il avait fait 22 buts, 11 passes D, je crois, à Lille. Deuxième meilleur buteur du championnat, ça passe au-dessus cette tête. Derrière Mbappé, il avait fait une saison pleine, il avait amené Lille en Ligue des Champions. Il était monstrueux, mais 80 millions, les gars. Oh, 80 millions. Tsimikas, la tête, ça passe au-dessus encore. Ça passe encore au-dessus. Et ça va être la mi-temps. La mi-temps, on est à 3-0. Belle avance au score. On va mettre la tactique 4-2-3-1 pour faire souffler un peu plus les organismes. On va échanger Villacampa, pardon, et Pinamonti. Parce que Pinamonti n'a pas la même polyvalence que tous les autres membres de notre attaque. Ah. Nicolas Pépé. Le corner, oh, Jarrad Braithwaite, encore un deuxième but de la saison. Non, on se prend jamais des buts, genre le 19e but de la saison, le 27e but de la saison. Non, 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 c'est toujours deuxième, premier, troisième. Tu sais, les gars, ils sortent toujours leur meilleure masterclass de l'année contre nous, quoi.
En tout cas, on a un bel espoir, c'est que Tottenham n'a pas encore joué. Et ils peuvent perdre. Ils peuvent perdre, je sais pas contre qui ils jouent. L'arme est fatiguée, bah, ça nous aura fait nos trois changements. Non, que deux. Bah, c'est Cook, le troisième changement du coup qu'on va faire. Cook pour Gavrilov. En tout cas, ce qui est bien, c'est que vraiment tout le monde pratiquement aura eu beaucoup de temps de jeu. Sauf ce deuxième, je pense à ce deuxième remplaçant à droite, là, le français, qui est derrière Stessié et Montiel. Aïe, aïe, aïe. Ah, 3-2. Oh, la Schlour tactique. Oh, Alfredo Morelos. On le demandait, un gars qui avait 30 buts dans la saison. Bah, c'est fait, on a été servi. Ouais, on va laisser comme ça. On est peut-être pas fait une bonne décision en changeant la tactique. On revient sur l'ancienne, mais je pense que ça va être compliqué. Allez, c'est bon, on va pas revoir le but. Consigne, on demandait plus. Attendez, ça ne nous a pas changé? Ah si, c'est bon. Pardon. Stacy, oh la touche longue qui est ratée, Tarcisio qui a la balle. La perd pas. Les femmes. Kelly. Quoi, en une touche, c'est trop long. Pickford. On va se faire remonter 3-3. C'est écrit dans les livres. C'est écrit dans les livres. C'est écrit dans absolument aucun livre que Pina Montina a lu. Parce que lui, dans son livre à lui, il marque match sur match sur match. Et on gagne 4-2 ce match-là pour l'instant. Oh, on a eu peur, hein. On a eu peur pendant quelques temps de se faire remonter. Non, je pense qu'on est à l'abri. Un petit péché d'orgueil d'avoir tenté de mettre le 4-2-3-1 pour économiser les forces. On n'aurait pas dû. Oh, Mitrovic. Le but est arrêté, premier poteau. Oh, la barre, la barre, la barre. On manque un peu de réussite quand même, maintenant, à nouveau sur les corners et tout ça. Mais on manque pas de réussite dans ce match et c'est une victoire 4-2 contre Everton. De toute façon, Everton-Tottenham, vous savez, c'est un duo gagnant. Et là, on a une équipe perdante qui arrive là. C'est le match contre Chelsea. Ça va être compliqué. Très, 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 très compliqué. Surtout que c'est suivi d'un match contre Man U. Par contre, ce qui est bien, c'est que maintenant, après ce match-là, on a une semaine, une semaine, une semaine d'écart. Donc, on aura un peu plus de repos. Contre Chelsea, je vais faire tourner. Parce que ça s'annonce compliqué et puis on verra. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que le prochain match, vous allez voir les trois de championnat et qu'on aura la finale de contre Chelsea en petite pépite, là, ma épisode à part pour le dernier épisode de la saison. Je pense qu'on va faire ça. Et voilà. Merci à tous d'avoir suivi l'épisode d'aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois pour la fin du championnat. J'espère que vous avez aimé l'épisode. Si c'est le cas, bah on se retrouve demain pour les trois matchs dantesques. Et n'oubliez pas, comme on dit chez moi, bye-o.